travers le roi. Ah, pour faire le tirer de l'autre côté. Thank you.
souriante. Simone Ive Babo. Elle est là. Elle est au coup de mer. Plus souriante comme d'habitude. Encadrée des chefs traditionnels. Qu'est-ce que c'est beau. Simone Ive Babo. I'm gonna go get some more.
Nous demandons que l'espace soit totalement libéré. Nous demandons aux services de protocole et de sécurité de bien vouloir faire libérer totalement l'espace. Monsieur Marc Papé, il est américain. Il est venu avec le doyen Harding qui l'attend ici au bas du podium. Monsieur Marc Papé est demandé de venir vers le podium pour que le doyen Harding le voie. Nous demandons à ce que l'espace central soit libéré parce que nous allons commencer cette cérémonie. DJ, un peu de musique. Il y a trop de monde autour de la loge officielle. Jonathan, merci de couper ton micro. Merci de couper les autres micros, s'il vous plaît. Madame la Première Dame Simone Eyvé Gbagbo, deuxième vice-présidente du Populaire Ivoirien. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les vice-présidents FPI, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les membres du comité de contrôle, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaires généraux, camarades fédéraux,
camarades élus de fédération, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques alliés qui nous accompagnent ce soir, mesdames et messieurs les partenaires à cette organisation de ce soir, mesdames et messieurs, camarades militants, camarades militantes, chers amis journalistes, simples curieux qui êtes ici, camarades espions qui êtes venus voir, je vous salue, vous tous applaudissez pour vous-même. Madame la première dame Simone Yves Gbagbo, vous êtes à Benoît, voici Benoît. Oui, des événements politiques importants pour la jeune nation ivoirienne en démocratisation se bousculent depuis le 31 mars 2021. C'est le 31 mars, la Côte d'Ivoire a été soulagée par la libération totale du président Laurent Gbagbo prononcée par la Cour pénale internationale. Le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo a regagné la terre de ses ancêtres, la Côte d'Ivoire, et vous étiez à l'accueil. Le 6 juillet 2021, sous le brouhaha des cris de joie et de peine, vous avez rompu le silence, votre élégant silence, par une très grande sortie vidéo intitulée par tous les médias du monde « Tout va bien ». C'était une vidéo prémonitoire. En français facile, ça veut dire que c'était un avertissement inexplicable qui fait connaître un événement à l'avance. Ce sont les dictionnaires qui le disent. Mais quels événements vous avez donc annoncé? Première réponse. Le jeudi 29 juillet 2021, à la demande de son nouveau procureur, la Cour pénale internationale a annulé le mandat d'arrêt contre vous. Madame la première dame, vous êtes une femme libre. Deuxième réponse. Aujourd'hui, 8 août 2021, des femmes qui ne sont ni vos sœurs biologiques, ni vos camarades de lutte au FPI ont décidé de vous célébrer. Et c'est pour ça que nous sommes à Benoît. Benoît, est-ce que vous êtes prêt à entendre Madame Gbagbo? Je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, nous allons l'entendre. Mais entre-temps, nous allons écouter des prières, des danses, des discours et des distinctions. Pour l'instant, nous appelons les chefs traditionnels pour procéder aux libations. Je demande à Jonathan d'aller vers eux avec un microphone pour qu'on puisse les entendre rapidement. La libation prononcée, comment ça, par les chefs traditionnels. C'est à vous. TV5. Ah,
Prêt. Le micro marche pas. DJ, un autre micro rapidement. Merci. Vous savez quoi, les cabas, les assiettes qui tiennent, par exemple, à Bono, qui fait ça. Bien, voilà. Déjà, tu as fait pour les gens, mais les gens, tu vas en bien. Oh, là, on tient, là, on tient. Bon, 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 bon. Tu vas dire, bon, maintenant, il y a ma gueule, il y a un peu, il y a un peu. Merci. Aux éminents chefs traditionnels qui viennent de procéder à la cérémonie de libation. Sans transition aucune, nous demandons la prière chrétienne prononcée par le pasteur Elo Ambroise. Pasteur Elo Ambroise, toujours au micro de Jonathan. Monsieur, d'accord. Maintenant aidez-nous. Hein. Passe à la jeu, pardon. Plus bien. DJ, merci de maintenir le micro ouvert quand c'est nécessaire. S'il vous plaît. Père, nous voulons encore cet après-midi te dire grand merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour cette cérémonie. Merci Seigneur pour ta grâce sur ce moment. Nous prions que le Saint-Esprit de Dieu, étant ta puissante main, Seigneur, bénisse le déroulement de ce programme. Nous remettons Seigneur notre maman Simone entre tes mains. Je prie que mon Dieu, ta grâce soit sur sa vie. Que tu bénisses sa vie, Seigneur. Que tu bénisses tous ceux qui sont venus à ce programme de cet après-midi. Merci Père pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sans transition non plus, nous demandons aux imams Abri Aboulaye et Dramé Haddad pour la prière musulmane. Les imams Abri Aboulaye et Dramé Haddad. Al-Takbir. 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 Oh Allah, nous plaçons cette cérémonie sous ta protection. Oh Allah, protège cette cérémonie. Bénis cette cérémonie. Bénis notre maman Simone Eibé Babou. Oh Allah, aide notre maman. Oh Allah, aide notre maman pour réaliser ces belles idées pour les femmes de Benoît, pour les femmes de Sourd,
Amen. Oh, Allah. Amen. Elle est dans la. Amen. Elle est foula. Elle est kakenen noya. Amen. Amen. Mohom kenen au baraka. Kenen baraka. Amen. Amso Simon Babo. Aka segaminke. Abela geni kama here. Akama kortae. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم التقدير امين 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 non plus. Nous appelons au micro le premier adjoint au maire de Benoît. Le maire Tapé Sylvestre qui va nous rejoindre. Oui. Venez sur le podium, monsieur le maire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Toute la place est à vous. Alors, est-ce que Benoît est là? Est-ce que la population de Benoît est là? Madame la Présidente, notre chère maman, en ma qualité de premier adjoint maire de Benoît, c'est au nom de Monsieur le maire Jean-Paul Amitié que je prends la parole. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir cet après-midi dans notre belle cité. Que dis-je, votre belle cité? Madame la Première Dame, notre chère maman, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Et cette journée nous est favorable pour vous célébrer. Monsieur le maire Jean-Paul Amitié aurait voulu lui-même être là. Malheureusement, il y a d'autres soucis encore dans la commune. C'est pour cela qu'il m'a chargé de vous accueillir. Toute la population de Benoît, il m'a demandé de demander à toute la population de Benoît pour prier pour vous, pour que de tels événements ne vous parviennent plus. Il faut nécessairement que vous soyez, comme tout à l'heure on a dit, vous êtes libérés. Que Dieu fasse que votre libération soit totale. Nous attendons à Benoît et nous serons toujours là
à côté de vous. Je vous remercie. Encore des applaudissements pour M. Topé Sylvestre, premier agent au maire de Benoît. Et pendant qu'il descend, saluer la première dame, Mme Simone Leivé-Bagbo, nous n'allons pas non plus faire transition. Je souhaite qu'elle me regarde parce que nous allons appeler à ce micro Madame Bintou Ouattara, présidente du comité d'organisation de Simone Day. Voilà. Honorables invités, mesdames et messieurs, Robert Schuller, un évangéliste chrétien, disait « Les gens célèbres sont des gens ordinaires qui se sont engagés vers des buts extraordinaires. » Fin de citation. Et je puis vous assurer que c'est le cas de la première dame Simone Leivé-Bagbo. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous exprimer en ce lieu tout l'honneur ressenti par le comité d'organisation. Vous avez accueilli ce projet avec empressement. Votre présence qualitative et massive à cette première édition nous le démontre. Le comité d'organisation voudrait vous en remercier. En effet, Simone Day, première édition 2021, marque la commémoration de la sortie effective de prison de Mme Simone Leivé-Bagbo et sa distinction pour son engagement politique et son combat pour la souveraineté de la nation ivoirienne. Mesdames et messieurs, notre icône vivante, Simone Bagbo, demeure l'une des personnalités la plus constante de la sphère politique ivoirienne de par son avant-gardisme très prononcé et son réel politique. Notre icône est aussi une mère accomplie qui a su éduquer sans parcimonie ses enfants. Aujourd'hui, notre maman n'est plus la seule mère de ses enfants biologiques. Elle est la mère de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et c'est à juste titre qu'on l'appelle au Mans national. Notre objectif est qu'en chacun de nous coûte la graine de au Mans national et que nous devenions des personnes de valeur. Notre cérémonie de ce jour s'articulera autour de plusieurs allocutions de personnalités et de la remise du prix Simone Day édition 2021. Je m'en voudrais de ne pas présenter les excuses du comité d'organisation dans l'exécution et la réalisation de ces différentes tâches qui lui sont conférées durant la cérémonie. Nous vous souhaitons un excellent moment de convivialité. Que Dieu bénisse Simone Leivé-Bagbo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive Simone Day! Merci, merci. Je vous rappelle, Jonathan, attends un peu. Je vous rappelle que la présidente du comité d'organisation de la première édition de Simone Day, les Anglais disent Simone Day, voilà, est secrétaire fédérale JFPI chargée des structures féminines de Cocody. Elle est assistante de Madame Simone Leivé-Bagbo. Vous pouvez applaudir pour elle. Avant d'aller dans la deuxième série des allocutions, oui, donne-nous un artiste pour souffler. Et oui, je vais donner un artiste à notre maman Simone Leivé-Bagbo. Et cet artiste, ça
les chantres à démarre qui viennent maintenant juste apaiser le cœur de notre maman parce qu'elle a tant pleuré. Maman, on chante et recevez votre chantre. Adéma, elle est où? Chantre Adéma, elle est où? Chantre Adéma, elle est où? Merci la régie. Mesdames et messieurs, madame la première dame Simone Désir-Gbagbo, si nous sommes ici, c'est parce que des dames ont décidé de vous honorer. Et la dame qui est à l'initiative de cette action, elle s'appelle madame Maggie Zombro. Elle vit en France. On m'a fait dire ce matin que c'est une femme guérée. Elle n'est pas bourrée. Elle n'est pas votre sœur. Parce que dans ce pays,
Allô. DJ, ne coupe plus mon micro. C'est important ce que je dis. Les gens croient qu'il n'y a que nos frères et nos soeurs qui peuvent nous honorer. Mais il y a des gens qui sont très loin et qui comprennent nos combats. Nous allons écouter Madame Zambro, qui vit en France, qui est ivoirienne, qui a la nationalité française, mais qui a décidé de vous honorer. Elle nous a fait parvenir un élément vidéo que nous allons projeter sur cet écran. Je demande au preneur de vue de se baisser pour que la foule qui est derrière puisse voir ce qui doit se passer. Voilà, baissez-vous. Chers amis, quand vous voulez projeter l'élément, le mot de Madame Maggy Zambo. Il y a des problèmes. C'est ça, les aléas. Ils ont beau essayer. Madame la PCO. Si ça ne peut pas passer, on peut lancer un autre élément. Ça passe, le son. En attendant qu'on avance, nous allons demander au groupe musical qui est là de nous jouer une note immédiatement. C'est le groupe Abodan, je crois. Hein? Le groupe Abodan. Thank you.
Parce que vous allez intervenir encore. Je vous ai dit qu'on a un élément vidéo. Je pense que tout est prêt. Messieurs, mesdames, lancez cet élément vidéo enfin. On m'a signalé que c'est prêt. Bien. Ses amis, baissez-vous un peu. Honorables invités, tous pris en vos rangs, grade et qualité, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de la journée spéciale Simone Day, dédiée à la femme ivoirienne en général et à l'honorable Simone et Yves Babo en particulier. J'aurais préféré être parmi vous pour remettre en personne le prix Simone Day. Hélas, un empêchement dirimant m'a retenu en France. Sachez tout de même que j'attache une grande importance à cet événement et que je suis de tout cœur avec vous. Je voudrais commencer par adresser tous mes compliments aux organisateurs de la présente cérémonie, c'est-à-dire à l'équipe de Biomédia, au centre de la plan Portaxi, partenaire de l'événement, et au comité d'organisation du Simone Day au niveau d'Abidjan. Leur critique, conseil et rigueur exceptionnelle ont été très utiles
pour permettre la tenue effective de cet événement. Je salue la présence de la communauté aussi diverse que variée, que la force du Sinondé a pu réunir à la place par mon roi ce jour. Je me réjouis de la présence de ce parterre d'invités et de la population de Benoît sortie massivement témoigner. Oh, combien remarquable d'une attention tout particulière et d'un soutien inestimable apporté à l'honorable Simon et Yvon Bap. Merci infiniment à toutes et à tous. Aidez-moi à dire Yako à maman Simon et Yvon. Comme je suis guérie, permettez-moi de le dire dans ma langue maternelle. Maman Simone Lévesa, assez à Guébou, assez Imouébou, assez Seabou, assez Nukaounia, assez. Maman Simone, Yako, pour toutes les grimaces subies, tout le long de ton parcours. Ce parcours politique et pour toutes les années de prison que tu as endurées. Je voudrais te dire merci. Selon moi, toute la Côte d'Ivoire devrait te remercier car sans ta contribution, il n'y aurait pas eu de multipartisme en 1990. On ne parlerait pas aujourd'hui de multipartisme. On ne parlerait pas de différents partis politiques ivoiriens tels que le RHDP, GPS, UDPCI, UNCI et j'en passe. C'est donc à justice que la journée du 8 août est désormais rebaptisée le Simone Day. Maman Simone, tu le vaux bien, car tu es la figure féminine du début du changement en Côte d'Ivoire. Nous voulons t'honorer de ton vivant. Tu es le parfait exemple de la sérénité, de l'audace, de la ténacité, de la femme modèle, de la femme de valeur, de la femme de distinction. Le monde entier doit savoir que comme Simone de Beauvoir et Simone Veil en France, nous avons aussi notre Simone célébrée en Côte d'Ivoire. Elle, c'est la lumière labourée et son nom, c'est Simone Eyivé Babo. J'invite donc les femmes ivoiriennes à s'inspirer de ton parcours. J'ai fait le choix du 8 août parce que cette date coïncide avec la journée de ta libération après 7 années de détention. 7 ans dans la vie d'une mère, d'une femme politique, c'est énorme. Je voudrais que le 8 août soit désormais le jour heureux où maman Simone et Yvé Babo, tu pourras passer le flambeau à tes petites sœurs, à tes filles que nous sommes en politique. Ce sera le symbole de la transmission des valeurs démocratiques, de la vie que tu incarnes. L'enrichissement de la culture démocratique en chaque citoyen ivoirien
et à chaque habitant de la Côte d'Ivoire. C'est un gage de paix, de stabilité, de développement durable. Et nous les femmes, devons être des artisans de paix, de rapprochement des communautés divisées. En effet, il va falloir se faire à l'idée que les objectifs de paix, de cohésion sociale et de réconciliation poursuivis ne seront totalement atteints qu'avec la participation des femmes de Côte d'Ivoire, y compris, pour ne pas dire obligatoirement, avec la participation de l'honorable Simone et Yves Babo, qui nous offre une vision nouvelle pour notre pays. Vive les femmes démocrates de la Côte d'Ivoire. Vive Simone et Yves Babo. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et solidaire. Vive Simone B et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à Maddy Zombro qui, depuis la France, nous avait parvenu cet élément que vous venez de voir. Nous allons continuer toujours avec cet écran. Parce qu'autour de son idée, elle a engrangé deux partenaires. Le premier partenaire est une télévision en ligne. Comme on le dit dans notre jargon, c'est un web média, un web TV. Son fondateur s'appelle Olivier Blé. Lui aussi, il vit en France. Et grâce à lui, cette cérémonie est visionnée partout dans le monde pour tous ceux qui ont eu la liaison. Olivier Blé nous a fait parvenir aussi un élément vidéo pour nous dire pourquoi elle accompagne Madame Maggie Zombro dans cette affaire. Chers amis, est-ce qu'on peut y aller? Si ça va, vous lancer. Pendant qu'il cherche. Honorable Simone et Yves Babo, vice-présidente du Front populaire ivoirien, je vous salue solennellement, ainsi que tous les membres de votre cabinet. Honorables invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Olivier Blé, propriétaire de la Web TV et Bure Média, organisateur de l'événement, président de l'association internationale Simone D. Je suis certes en duplex avec vous, mais c'est comme si j'étais en votre compagnie à la place à Mongois en ce moment. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer ma gratitude au cabinet de Madame Simone D. Yves Babo, qui a prêté main forte au comité d'organisation du Simone D. Je remercie également les femmes politiques de Côte d'Ivoire, en particulier la plateforme CASI, plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Noël Houlé. Ces femmes ivoiriennes engagées en politique et de différents partis qui ont bien voulu se prêter au jeu et nous accompagner depuis le début des préparatifs du mois de cette journée. Toute notre gratitude pour leur soutien inestimable. Je voudrais également faire mention spéciale à Back Office qui, à nos côtés aujourd'hui, pour offrir ses prestations sonorisées et qui permettra une large diffusion de l'événement. Permettez-moi aussi de remercier les populations de Benoît et tous ceux venus d'ailleurs qui ont bien voulu effectuer le déplacement dans cette ville pour témoigner leur affection à l'honorable Simone et Yves Babo. Il est important pour moi de rappeler les faits marquants
qui nous ont amenés ce jour, 8 août 2021, jour mémorable. Le 11 avril 2011 a été un lundi noir où le coup présidentiel ivoirien à l'époque a été arrêté. Le 23 avril 2011, Madame Simone Eve Babo a été placée toute seule en résidence surveillée à Odiené à partir du 1er. Et c'est fini, on peut applaudir Olivier Blé. Vous avez saisi l'essentiel des raisons qui l'ont poussé à accompagner l'initiative de Mme Zombro. Je vous ai annoncé que c'était le premier partenaire sur cette web TV. Depuis une semaine, des débats ont été menés pour préparer la cérémonie d'aujourd'hui. On m'a signalé que l'un des animateurs de ce débat est là. C'est le journaliste Herman Aboua, je souhaite qu'il se lève pour qu'on le salue. Herman Aboua, voilà. Le voilà là-bas. Oh, vous savez, nous les journalistes, on est très discrets. Oui, c'est bien lui. Le deuxième partenaire, son nom est sorti tout à l'heure. C'est la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire, Plapof Kassi. Au début, on avait du mal à prononcer ce nom, mais comme il y a Kassi dedans, on a su jongler avec Plapof Kassi. Applaudissez pour eux. La présidente s'appelle Madame Oulène Noël. Tenez bien, elle est membre du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Applaudissez pour elle. Parce que quand les chômages viennent d'ailleurs, ils sont sincères. Madame, la place est à vous. Je vous invite à venir expliquer ici pourquoi vous avez accepté d'accompagner cette cérémonie. Madame Noël Oulé, sous vos applaudissements. Et pendant qu'elle avance, parce que Madame Simone Eve Gbagbo est très entourée, je souhaite qu'on salue le ministre Lazare Koffi Koffi, Thomas Yaoundé-San. Je souhaite qu'on salue le ministre Kadé Bertin. Je souhaite qu'on salue la ministre Christine Agbéby. Madame, la parole est à vous. Merci beaucoup. Avant de venir sur ce pupitre, je me suis renseignée sur la population de Bonoa. Et on m'a dit que c'est une population qui est très brave. Comme je ne suis pas Didier Bléou, je ne peux pas demander est-ce qu'il y a des femmes à Bonoa. Est-ce qu'il y a des Simone et Yvette Babo à Bonoa? Nous n'allons pas frustrer les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes à Bonoa? Est-ce qu'il y a des Ifanchi à Bonoa? Merci. Honorable tête couronnée, honorable vice-présidente du FPI, Madame Simone Eive Babo, Monsieur Jean-Paul Amétier, premier magistrat de cette belle cité imprenable, Bonoa, distinguée personnalité politique, administrative, religieuse et militaire, honorable membre de la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire, dynamique membre de cette futuriste et ambitieuse initiative,
mesdames et messieurs du comité d'organisation, chers illustres invités en vos rangs, grades et qualités. Au nom de la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire, au nom de Maggie Zombrotte, l'initiatrice de ce mémorable hommage intitulé La Simone Day, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole pour vous transmettre toutes mes vives salutations combattantes et fraternelles. Les femmes engagées en politique de Côte d'Ivoire, fédérées au sein de la PLAPOF CACI, me chargent de vous dire Valé Blé Yako. Kawaklo. Nyamie Emmawo Efeche Dada. Je veux bien préciser que je suis Yakuba. Et Simone Eve Babo réunit la Côte d'Ivoire. Oui, que notre souverain vous donne la force toujours afin que vous puissiez parachever la noble et ambitieuse grande vision dont vous portez. Oui, comme Moïse, vous conduisez le peuple ivoire dans toute son entièreté et composante vers de verts pâturages. Mais à la différence de Moïse, vous, femmes engagées en politique, vous entrerez sur cette terre promise. Cette terre qui promet un partage équitable de nos richesses, le mieux-être pour tous, l'égalité et l'équité entre hommes et femmes. L'égalité et l'équité entre hommes et femmes par le respect de l'application de la loi sur le quota exigeant 30% de présence féminine dans les assemblées électives dans la vie politique et publique de notre pays. Une terre où le droit des humains sont respectés, où la démocratie est un outil non utopique, où la cohésion sociale est une arme de maintien de la paix absolue. La liste peut être longue et ennuyeuse, si et seulement si nous faisons de ces paroles une juxtaposition de mots vides sans sens, parce qu'elles ne sont pas mises en pratique. Mais l'heure pour nous ce jour nous rappelle, Maman Simone et Yves Babo, que nous les femmes de Côte d'Ivoire, nous vous devons. Nous vous devons la mise en pratique des valeurs démocratiques que vous incarnez. Cette occasion qui nous donne l'opportunité de vous rendre un vibrant hommage en cette journée du 8 août 2021 sera plus que jamais dans toutes les mémoires en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Aussi dans les agendas de tout le monde, parce qu'elle est considérée comme une boussole pour l'ensemble des femmes que votre parcours inspire. C'est pourquoi la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire, de par cette occasion, s'inscrit pleinement dans toutes les actions et activités que vous entreprendez dans l'intérêt général de toutes. Consciente de votre engagement de faire de notre nation une nation forte, souveraine, une nation réconciliée, moderne, prospère et ouverte vers de nouvelles perspectives. Une nation remplie de justice et d'équité. Au vu de toutes ces qualités que vous incarnez, je me saisis au passage par le pouvoir qui m'a été conféré par l'ensemble des femmes de la plateforme
vous manifester notre profond attachement à votre parcours et démarche politique orientée vers la recherche de la démocratie. À vous, femmes qui agissez avec objectivité et diligence, à vous, dont la capacité de résilience dépasse les normes du tolérable. Comment finir mon adresse sans vous confier à notre juste créateur qui vous dote de cette force intérieure hors pair? Maman la nation, au moins la nation. Au moins la nation. Tout le monde avec moi, au moins la nation. Au moins la nation. La mère des femmes de distinction et d'honneur. Ta work law. Nya mien et mon work. Et fêche dada. Vive Simone Eyvé Babo. Vive la femme démocrate. Vive la Plapofkasi. Vive la Simone D. Je vous remercie. On peut encore l'applaudir. Noël Houlé. Ce n'est pas fini. Elle a le trophée à remettre à madame la première dame Simone Eyvé Babo. Elle s'en va lui remettre son trophée. Si vous voulez, applaudissez. Et pendant qu'elle avance, comme il est venu, lui aussi d'exil, voilà la remise du trophée Simone Day 2021 en reconnaissance de tous les combats de la première dame Simone Eyvé Babo pour que cette date du 8 août et ce trophée désormais d'exemple à toutes les femmes qui vont se battre pour que notre pays soit un État effectivement démocratique. Je disais qu'il est venu lui aussi d'exil. Et il a accepté de venir ici à Benoît pour accompagner Madame Simone Eyvé Babo, Madame la Première Dame. Mesdames et Messieurs, je vous demande de saluer mon ami personnel à moi, Maître Docteur Boga Sako, président de la FINOG. Voilà. Bienvenue, mon cher ami. Sois la bienvenue, tu es trop fort. Voilà. Mais ça. Je souhaite qu'on salue le ministre Charles Dosso-Rodel, qui est là. On va continuer. Elle, c'est la spécialité de la lutte contre la vie chère. Elle a fait la prison pour ça. Elle a fait la maca. Et elle est là, à côté de Simone Eyvé Babo. Je vais appeler à ce micro parce que c'est prévu. Ma très chère amie, la combattante Pichéri Balé. Merci les amis, et pendant qu'elle avance, on va saluer le collectif des femmes
et pendant que de la crise passe électorale, le COFED, représenté ici par Madame Niabeli Chantal, vice-présidente qui représente Madame Daté Simone, je vous demande de l'applaudir. Mes chéris, la place est à vous. Madame la Première Dame, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, vaillante population de Benoît, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour unique, car nous célébrons une femme, et non des moindres dans l'histoire politique de notre pays. Une femme qui a su maintenir sa constance dans le combat pour la souveraineté, la démocratie, la justice et un état de droit. Une journée spéciale, parce que nous sommes au lendemain de la fête de l'indépendance de notre nation. Une indépendance qui se doit d'être parfaite par le combat de cette brave dame qui nous a montré le chemin du courage, de l'endurance, de la combativité et de l'intégrité. Une femme qui a su surmonter par un moral de fer les brimades, les humiliations, les emprisonnements, les railleries et l'opprobre. Simone Eyvé Gbagbo, Madame la Première Dame, chère mère, vous méritez cet honneur. Merci donc à Maggie Zombrotte qui a initié la journée dénommée Simone Day. Merci à ceux qui y ont travaillé. C'est très important de célébrer ceux qui le méritent pendant qu'ils sont encore vivants. En effet, notre société est en pleine mutation et elle a besoin de modèles, de figures de proue comme notre maman, belle, splendide ce soir avec le regard serein. Que serait devenue la création sans la femme? Le Créateur, Dieu, a eu raison de couronner la création par la femme, car il a dit, et je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Notre rôle en tant que femme est donc déterminant. Chères femmes ici présentes, vaillantes guerrières, sachons que nous avons un rôle capital à jouer pour l'éclosion d'une espérance nouvelle et pour la construction d'un État fort, démocratique, prospère, un état de droit et de paix. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de nous. En ce 61e anniversaire de l'indépendance de la terre, de l'espérance promise à l'humanité, levons-nous comme Simone Eyvé Gbagbo s'est levée un jour pour dire « Côte d'Ivoire, ma vie, je te la consacre ». Maman Simone, merci pour ce sacrifice, femme capable. Merci pour toutes ces années de combativité. Épouse, merci d'avoir montré le chemin à tes filles, tes petites sœurs que nous sommes. Ton témoignage si grand, si fort, si émouvant, nous donne de poursuivre le combat que tu as commencé jusqu'à son achèvement. En effet, notre pays connaît un recul démocratique et il est de notre devoir de construire un état de droit. Il est de notre devoir de placer la Côte d'Ivoire au centre de nos vies pour travailler à laisser à nos enfants une Côte d'Ivoire qui soit un havre de paix et de justice. Et les populations de Benoît
font partie de ceux qui ont compris cette nécessité. C'est pour cela que je suis très fière d'être ici. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci à la ville de Beaumois. Merci à toute sa population pour sa résilience lors de son combat contre le troisième mandat. Vous avez été cette forteresse qui a résisté contre la tempête. Merci à vous, car à un moment donné de l'histoire, de la vie d'une nation, il faut savoir prendre ses responsabilités. Vous avez montré à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier, qu'ici à Beaumois, l'injustice et le non-respect des lois que nous nous sommes librement données est un crime contre l'humanité. Car ce sont de tels actes qui emmènent à des affrontements, qui produisent malheureusement des morts. Permettez-moi à ce stade de mon propos de dire Yako à tous ceux qui ont encore les séquelles et de m'incliner devant la mémoire de nos martyrs. Depuis ma cellule de prison, mon âme, mon esprit était avec vous. Seul mon corps était absent parce qu'enfermé dans les goulags de l'oppression. Merci encore à la brave population de Beaumois. Sois bénie, Maman Simone, que le Seigneur que tu pries te comble de toutes les bénédictions, de grâce, et qu'il te rende plus forte pour les challenges qui se présentent à nous. Car le serpent contre la démocratie n'est pas encore mort. Nous avons de grandes choses à faire, car nous avons la responsabilité de laisser à nos enfants une Côte d'Ivoire unie, prospère, démocratique et souveraine. Une Côte d'Ivoire en paix. Que Dieu bénisse toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Simone Dey. Que Dieu bénisse Simone et Yvette Gbagbo. Je vous remercie. Bien sûr, elle est dans le combat contre la vie chère, mais elle a été emprisonnée à cause de son opposition au troisième mandat illégal. Vous pouvez applaudir pour elle encore. Profitons pour saluer le pasteur Mebra Kone. Lui, il est le président d'un parti politique qui s'appelle le RDP. Pasteur Kone, lève-toi pour qu'on te voie. Merci beaucoup. Il est là. Madame la PCO, j'ai l'impression qu'il est l'heure de passer aux dons. Est-ce qu'il y a des dons? Est-ce qu'il y a des dons? Bien. Vous allez venir vers là pour vous recenser. En attendant que tout soit prêt, nous allons demander au groupe qui n'a pas encore joué. Non, Abodan a déjà joué. Le groupe Sinipé. Est-ce que le groupe Sinipé est là? Où est le groupe Sinipé? Sikempe. Sikempe. Prononcez bien pour moi, hein. Voilà. Toute la place est à vous.
Philippe. Philippe Aouyaya. Philippe Aouyaya. Voilà, la place est à vous. Mettez-vous en place pour nous donner une aération musicale. Pendant ce temps, nous demandons qu'on salue l'ancien député de Cocody, mon cher ami, particulier le député Koukounion. Il est là. Qu'on salue l'ancien député de ce n'est pas fini. Comment? L'ancien député d'Akoubé, Sidoni Assé. Attends,
Merci, merci. Beaucoup d'applaudissements pour ce groupe qui est très aimé à Bourgois. Et toujours pour maintenir cette ambiance, nous demandons au groupe Abondant d'effectuer sa deuxième prestation. Le groupe Abondant, Abondant toujours. Le groupe Abondant. Le groupe Abondant.
beaucoup. Merci. 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 Je voudrais qu'on salue la représentation du mouvement élevé capable. Oui, je l'ai dit, il est rentré récemment d'exil et il est là. Avec la bienveillance du comité d'organisation, je voudrais appeler ici Dr Bob Sako pour deux petits mots à l'endroit de Madame la Première Dame. Gervais Ouga Sako. Voilà. Waka waka, tu es trop fort. Applaudissons pour mon groupe à Talakou. Merci. Allez, j'ai levé à toi. Qu'est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qu'il est merveilleux de célébrer la valeur, de célébrer une femme de valeur. Madame la Première Dame, à la vérité, excusez-moi, Excellence, tout grade, qualité confondue, je n'ai pas assez de temps, donc je vais à l'essentiel. À la vérité, lorsqu'on a écouté ma sœur Pulchérie Edith Ballet, pour nous qui sommes de la société civile, elle a dit l'essentiel pour ce qui nous concerne. Mais il n'est pas mauvais d'ajouter deux choses. Madame la Première Dame, sachez que ce monde qui est ici réuni, ce monde qui nous suit à travers les médias, c'est vrai, vous êtes Simone et Yves Gbagbo. Mais ce qui réunit tout ce monde, c'est vraiment ce que vous êtes de façon intrinsèque. Vous êtes une femme de valeur. Et je me plais toujours à le dire, j'ai écrit un livre dont le dernier chapitre vous a été spécialement dédié. Parce que dans ce monde où l'argent a pris le dessus, dans ce monde où les titres politiques et sociaux ont pris le dessus, on a tendance à perdre les valeurs. Et je voudrais dire à toutes les femmes qui nous suivent aujourd'hui, prenez de beaux exemples. Simone Yves Gbagbo est un bel exemple. Et madame la Première Dame, comme je m'en vais finir mon petit exposé, nous sommes universitaires. Vous êtes nos dévanciers à l'université. Et je voudrais vous dire ceci. Vous n'êtes pas la femme la plus intelligente, c'est vrai. Vous n'êtes pas la femme la plus brillante, c'est vrai. Mais pour ce que vous êtes, c'est une chance pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et c'est une chance pour notre continent Afrique. Nous ne sommes pas réunis ici dans un cadre politique. Nous sommes là parce que dans ce brouhaha, il y a des personnes qui méritent que nous les célébrions. Et je voudrais rendre hommage à celles et ceux qui ont initié cette cérémonie d'aujourd'hui. Parce qu'il est bon de célébrer les monuments et les idoles pendant qu'ils vivent encore. Et je vais terminer par une petite réflexion que je ne pourrais pas développer. Parfois, chère madame, sachez que les noms de mariage sont à la fois avantages et inconvénients. Je ne vais pas développer, mais ceux qui comprennent ont compris. Que Dieu bénisse Simone Yves Gbagbo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je voudrais simplement dire, chère madame, levez-vous,
et allez-y, parce que Dieu vous a béni, vous êtes ce que vous êtes. Merci, bonsoir. Gervais Boga Sako, est-ce qu'on peut applaudir encore pour lui? Madame la PCO, vous allez permettre que nos amis qui ont, ils sont deux, Nguessan Kouadio Jean-Pierre et Kwame Aboua Gervais, ils ont des présents à remettre à Madame la Présidente Simone Eve Gbagbo. Chers amis, vous pouvez avancer avec vos dons. Où ils sont? Je signale que la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, de Côte d'Ivoire est représentée à cette cérémonie par Binaté Fofana, que je vous demande d'applaudir. Elle est venue apporter son soutien à Madame Simone Eve Gbagbo. Elle, c'est la veuve du professeur Odeuri Koudou. Que je vous demande d'applaudir. Madame Odeuri Koudou est là. Je crois avoir signalé que se trouve aux côtés de Madame Gbagbo le tout premier maire de Kanyoa, Arsène Sibaï. Le tout premier maire pays de Kanyoa. Allô? Je souhaite qu'on applaudisse. L'homme du destin n'a point d'âge et son avenir certain est toujours préparé. Je n'appelle pas héros ceux qui triomphaient par les armes, mais j'appelle héros ceux qui figurent par le cœur. Les hommes vous loueront, les hommes vous condamneront, ils ne vous comprendront jamais. Pleurer, gémir est également lâche. Seuls ceux qui luttent vivent, les autres existent. Maman Simone de Gbagbo, le nom veut dire l'agent messianique d'une veilleuse de conscience. Merci maman. Pourquoi ne me dis pas la paix? Tu te recules. Pendant que les autres avancent, je tends la main, avançons. Maman Simone Gbagbo, je te remercie parce que tu nous as toujours appris à pardonner. Ajoute la clé sur les paroles pour que vous puissiez être remonté à morale. Que le Seigneur te bénisse. Oui, on a fini. Je signale que c'est pas ici, mais le protocole, tu me l'as dit, la Federal Office de Tupalopu donne un sac d'attiéké à Madame la Première Dame.
Voilà. On ne pouvait pas faire une telle fête sans parler d'Atiéké. Applaudissez pour elle. Le propriétaire du véhicule Aval, immatriculé 3829-JE01, est prié d'aller dégager sa voiture. Il paraît que ça enferme le domicile de quelqu'un aussi. Est-ce que vous voulez que Mme Gbagbo parle? J'ai compris. Nous allons pour mettre en place les dispositions techniques pour que madame puisse parler, demander à un dernier artiste, j'ai pas bien entendu son nom, B42, de nous faire un sous-son musical. Je demande au protocole de prendre les dispositions pour que madame la présidente puisse prendre la parole tout à l'heure. DJ B42, la régie, le tarondeur. Pasteur d'ici et l'eau, maman pasteur, maman pardon. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, applaudissez pour Dieu, s'il vous plaît. Dieu. Pour le tenir des armées, cher ami, tu as gardé le temps, il faut jouer. Voilà. Non, on ne peut pas faire une manifestation sans honorer Dieu. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, je suis en prestation. Oui, pour un merci, pour dire merci, le bon anniversaire de maman, maman, et je t'apprends. Malheureusement, le temps file. Et je pense que la prochaine fois, il y aura un peu plus d'espace. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons entendre Madame la Première Dame. Mais, comme ils sont venus de très loin pour honorer cette cérémonie, je vais rapidement citer ces associations. Je voudrais qu'on salue les Amazones de Paris qui sont venues pour soutenir Madame la Première Dame. Je voudrais qu'on salue le groupe Évêques Capables de Paris, les femmes patriotes de Paris, la présidente Faye Florentine de 2 millions de filles pour Laurent Gbagbo, la diaspora de France combattante, représentée par Viviane Dakoury et ses enfants. L'association des femmes amoureuses de France, représentée par la présidente Marie-Louise Aimée, qu'on applaudit avec tout un groupe de 8 personnes. Les invités de la diaspora, représentés par la présidente
Anne-Laure Guégué, qui sont venus pour cette cérémonie, qu'on applaudisse pour elle. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir cité toutes les associations qui sont venues. Nous voulons nous en excuser. À présent, est-ce que vous voulez qu'on entende Madame Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts pour Madame Simone Neyvé Gbagbo? Alors, applaudissez pour vous-même. Madame la Première Dame, tiens. Vous l'avez vu. Ils sont tous là pour vous écouter. Madame Simone Neyvé Gbagbo va prendre la parole. Je souhaite qu'on salue le doyen Samuel Harding, qui est venu donc la soutenir. Merci d'être venu, cher doyen. Mesdames et messieurs, je voudrais en tout premier lieu, à notre nom à tous et à mon nom personnel, qu'on salue le roi, Ta Majesté, Nana Kakoumiestan, le roi de Benoît, de même que toute sa cour. Je suis sûr qu'il est très attentif à ce qui se déroule ici et que chaque mot qui a été prononcé, qui va prononcer ici, va tomber dans ses oreilles. Monsieur le représentant du maire, mesdames, madame et messieurs les ministres, honorables députés, camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, mesdames les membres de la plateforme politique des femmes candidates, mesdames et messieurs
les membres des organisations de défense des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, les membres de la société civile, messieurs les pasteurs et hommes de Dieu, vous êtes venus très nombreux, je voudrais vous saluer. Honorables invités, vaillante population du Sud Komoué, vaillante population de Benoît, chers frères et chères sœurs, vous savez, cela fait chaud au cœur de voir des amis, des proches, mais également des personnes qui ne vous connaissent que de loin, de les voir se mobiliser aussi massivement pour vous célébrer. Cet après-midi, je vais vous dire que je suis très touché. Très touché par cette marque d'attention. Très touché. Parce que je ne prévoyais pas un tel hommage. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ému. Je vous dis merci. Je vous dis encore merci. Comme on dit en abouré, Vamo. Da-da-da-mo. Ari est-ce Vamo. Et il m'a aussi Vamo. La mienne, il est bon, 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 bon. Que Dieu vous bénisse. Déjà, dans le courant du mois de février 2021, des consoeurs vivant à l'étranger ont lancé le challenge Élevé Capable. Ce challenge a reçu un accueil tellement favorable qu'aujourd'hui, on peut compter des sections Élevé Capable en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Benoît et dans des types de l'intérieur du pays, à Boisso, etc., etc. On peut en compter en Afrique. Nous avons des organisations élevées capables qui s'installent en Afrique. On m'en a signalé au Niger, on m'en a signalé au Cameroun, et on m'en a signalé au Congo, etc. Nous avons des sections qui sont en train de s'installer en Europe, en France, en Angleterre et dans d'autres pays de l'Europe, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, etc. Pendant que ce challenge-là prend de l'ampleur, l'initiative de nommer Simone Days nous a été proposée par Madame Maggie Zombrot. Une dame que je n'avais jamais croisée et qui sûrement elle-même ne m'a jamais rencontrée auparavant. Elle nous a proposé ce challenge-là. Elle-même est des citoyennes franco-ivoiriennes et elle réside en France. Et elle nous a proposé pour Simone Days deux objectifs. Premièrement, commémorer le troisième anniversaire de ma sortie de prison. Et c'est pour ça qu'elle a proposé la date du 8 août. Puisque je suis sorti de prison le 8 août 2018. Deuxièmement, elle propose de baptiser le 8 août Simone Day.
à cette occasion-là célébrer tous les bibles que nous allons compter désormais dans nos vies, ce qui nous en reste et dans les vôtres qui sont à venir. De célébrer la femme leader, pas n'importe quelle femme leader, pas la femme leader en économie, dans l'agriculture, dans le droit, mais la femme leader en politique. La femme leader engagée en politique. Vous voyez que déjà, elle nous met la pression là. Elle vous met la pression. Moi, je peux considérer que j'ai fait ma part. Mais elle vous dit que désormais, la femme doit faire de la politique. Et elle doit s'engager en politique. Voilà. Les deux objectifs majeurs. Et nous voilà ici aujourd'hui, en accord avec cette proposition pour faire une célébration. Je voudrais sincèrement exprimer ma gratitude à Madame Maggie Zomborte, qui est initiatrice de ce concept-là, Simone Day, ainsi que à toute l'équipe de la TV en ligne Pure Média. Ceux qui ont suivi durant la semaine ont vu un petit peu tous les débats qui ont été organisés par Pure Média avec un journaliste que nous avons salué tout à l'heure et que je remercie encore. Je voudrais remercier le comité d'organisation de cette cérémonie. Exprès, mon cabinet et moi avons décidé de mettre les jeunes au défi. Et c'est ainsi que nous avons désigné à la tête de ce comité d'organisation Madame Bintou Ouattara, qui était là tout à l'heure, vous l'avez entendu parler, mais c'est comme ça que moi je mets les gens au défi. On dit, si tu veux apprendre à quelqu'un à nager, il faut le jeter dans la lagune. S'il ne sait pas nager, il va se noyer. Mais comme il n'a pas envie de se noyer, il va se débattre et il va savoir nager. Je voudrais la saluer, la féliciter. Oh, quand on fera le bilan, on dira ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais voilà, nous sommes là. Et c'est le produit de leur travail. Comité d'organisation, soyez remerciés. Je suis ici cet après-midi pour dire que j'approuve cette idée et que je la couvre totalement de ma bénédiction. Je souscris totalement à cette initiative pour deux raisons majeures. Premièrement, nous le savons toutes, nous le savons tous, le 8 août 2018 a été pour moi, mais également pour un grand nombre d'Ivoiriens, un grand jour de joie, un grand jour d'allégresse. Pour mes camarades du parti, ça a été également un grand jour d'allégresse. Mais j'ai pu constater par moi-même que pour toutes les populations ivoiriennes, pour tous les démocrates du monde entier, ce jour-là, du 8 août 2018, a été un grand jour de joie. Durant au moins 3 mois, sinon même un peu plus, les populations de Côte d'Ivoire, j'utilise le mot que quelqu'un va peut-être trouver un peu fort, mais que c'est la réalité. Les populations ont déferlé chez moi sans discontinuer.
pour m'exprimer leur joie, pour m'exprimer leur plaisir de me voir enfin libéré. Et ils avaient pleuré avec moi 7 années durant. Et puis brusquement, la porte s'était ouverte. Le Dieu que moi j'appelle le Dieu du tout à coup, soudain, brusquement, avait fait son œuvre et je m'étais trouvé libre, n'est-ce pas, en liberté. Ça a été magnifique. C'est toujours magnifique. Mais, vous voyez, aujourd'hui, quand nous fêtons cet anniversaire-là, nous pouvons revivre ce que ça a été, ce que cela a signifié pour tous les Ivoiriens. On a eu le sentiment qu'une tension extrême était tombée et que désormais, les populations se sentaient allégées d'un grand souci qu'ils avaient traîné dans leur âme et sur les épaules pendant 7 années. Ma joie aujourd'hui est encore plus grande. Elle est encore plus grande parce que, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, hein, le même Dieu, là, du tout à coup, soudain, brusquement, s'est mis à nouveau à opérer dans ma vie et dans la vie de toute la Côte d'Ivoire. Un soir, alors que j'étais à la prière, dans un temple, on m'a appelé à l'oreille et on m'a dit, maman, la CPI vient de te libérer. La CPI a annulé ton mandat qui te poursuivait. J'ai dit non, c'est pas vrai. A appelé Maître Dagué, posez-lui la question. Parce que c'est quand Maître Dagué a parlé que c'est la vérité. On me dit, on a appelé Maître Dagué. Il dit que non seulement c'est vrai, mais que c'est même déjà affiché sur le site de la CPI. J'ai dit, ah, hein. Alors on peut chanter de joie, on peut rire, on peut crier de joie. Amen. J'ai été libéré en 2018. Ce mandat m'empêchait de sortir de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi depuis elle est sortie, elle ne bouge jamais, elle ne va jamais ailleurs, elle ne va nulle part, elle est toujours assise ici à Bigan. Je ne pouvais pas sortir à cause de ce mandat-là. Parce que avec ce mandat, n'importe quel pays, n'importe quel État, n'importe quelle autorité d'un État signataire du statut de Rome là, et donc membre de la CPI pouvait m'arrêter à cause de ce mandat, me prendre, me jeter dans un avion de toute autorité et puis boum, m'expédier à la haie, à la CPI. Et donc quand je suis sorti de prison, on m'a bien expliqué cela. Et on m'a dit, si tu aimes ta liberté, reste ici en Côte d'Ivoire tant que ce problème n'est pas réglé. Demandez à Maître Dagué, hein? Il a essayé de régler ce problème. Il est parti à plusieurs reprises à la haie. Il a rencontré les gens de la haie. Mais le dossier était bouclé. Impossible.
impossible même d'accéder à quelqu'un qui allait même vous montrer les pièces de ce dossier-là. Et puis, brusquement, mais je vous dis, brusquement, répétez après moi, brusquement, Dieu, il a dit, ça se fait comme ça. Et voici donc, nous voici, bénéficiaires de nouveau d'une grâce puissante de Dieu. Mais aussi des hommes. Parce que quand c'est comme ça, il faut saluer des hommes qui ont laissé Dieu toucher leur cœur pour que cette décision-là soit prise et que je sois libéré. Je rends gloire à Dieu pour cette autre grâce-là à mon égard. Parce que ça dépasse tout entendement humain. Frères et sœurs, considérons que désormais, je suis délivré de tous les liens prisonnement et séquestration, d'arrestation, de blocage, d'immobilité. Je voudrais dire encore merci à toute la diaspora. La diaspora ivoirienne, elle a été merveilleuse. Je voudrais dire merci aux patriotes du Front populaire ivoirien, mais également aux patriotes de toutes les autres organisations politiques ivoiriennes. Je voudrais dire merci aux hommes et femmes des médias, aux organisations de défense des droits de l'homme, aux hommes et femmes de prière, à chacun d'entre vous, car votre mobilisation autour de ma cause a fortement contribué à obtenir ma libération totale et la levée du mandat d'arrêt. Vraiment, merci. Nani, il est venu là. Nani, il est venu da. Nani, il est venu. La deuxième raison de ma totale adhésion au Simone Day est liée à l'idée de primer chaque année une femme leader engagée en politique. Ce n'est un secret pour personne, hein, dans le monde entier et pour ce qui nous concerne dans nos cultures africaines. Les pesanteurs socioculturels existent encore qui réduisent la femme au second plan. Et la femme se trouve, quand je dis la femme, c'est vraiment là. Là, avec le grand L, hein, article défini, qui précise que je ne parle pas de l'homme, mais je parle de la femme. La femme se trouve encore aujourd'hui agressée par les communautés. Quand il s'agit de la femme, rapidement, on la traite d'ambitieuse. On tente de l'intimider. On tente de la culpabiliser. On la couvre d'insultes. On la couvre d'injures de toutes sortes. La femme se trouve également confrontée à de gros obstacles qui bravent son épanouissement. Elle va avoir des problèmes de scolarisation. Jusqu'à aujourd'hui encore, des parents choisissent entre l'homme et la femme et pour faire pousser le garçon plutôt que la jeune fille. Aujourd'hui encore, des femmes ont des problèmes de promotion. Dans un service, s'il faut promouvoir quelqu'un, on aura plus tendance à promouvoir l'homme au détriment de la femme. Aujourd'hui encore, quand il s'agit de faire des sélections pour choisir
quelqu'un qui va vous servir de représentant, on va choisir le garçon, on va laisser la femme. C'est rare, ça arrive, hein, mais c'est rare qu'on choisisse la femme quand il y a des hommes qui sont là et qui font des propositions et qui proposent leur propre dossier. La femme en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, se trouve très souvent immergée dans un complexe d'infériorité. Elle-même, à cause des limitations culturelles, la femme elle-même va s'auto-censurer. Elle va dire, ça là, on t'a donné à un homme. La femme, elle est faite pour donner des conseils sur l'oreiller. Mais vraiment, dans la vie publique, là, on n'a qu'à laisser les hommes. Et donc, elle-même, elle s'auto-censure. Et on comprend que, par exemple, aux dernières élections législatives que nous avons connues, il n'y a eu aucun parti, je dis bien aucun parti, qui a été capable de respecter la règle des 30%. 30% de femmes sur liste de candidats. Mais très souvent, parce que les femmes elles-mêmes refusaient de candidater. Femmes, c'est à vous que je parle, hein? Mais ce sont des hommes que j'entends, que je vois remuer la tête. Et je ne vois pas, je n'entends pas les femmes me répondre et me dire qu'elles sont d'accord avec moi. Femmes, femmes, soyez d'accord avec moi parce que c'est la réalité que je suis en train de décrire. Toutes ces pesanteurs socioculturelles constituent de véritables forteresses mentales contre lesquelles nous devons nous lever. Or, lutter contre les forteresses mentales est une œuvre de longue haleine. Il nous faudra donc travailler sur la durée. Mais je crois pour ma part que célébrer chaque année le parcours d'excellence et l'engagement politique d'une femme contribuera sans aucun doute à encourager les femmes à être plus participantes de la vie de la nation. On est très heureux, nous autres femmes, nous sommes très heureux de dire ce sont les femmes qui portent la vie. Elles sont importantes parce que c'est elles qui donnent la vie. C'est vrai, les femmes donnent la vie et on doit les respecter parce qu'elles donnent la vie. Vous voyez, hein? Les femmes portent la vie et on doit les respecter parce qu'elles portent la vie. Mais au-delà de porter la vie, au-delà d'être procréatrice, je voudrais encourager les femmes à être des agents de progrès scientifique. Parce que vous savez, les femmes, elles réfléchissent beaucoup pour trouver les solutions scientifiques. Quand il a fallu passer du manioc à la tchèque, les femmes ont réfléchi pour trouver comment on peut passer du manioc qui pourrit en une semaine là à la tchèque qui dure, comment on peut passer du manioc au placali, comment on peut passer du manioc à l'amidon, etc., etc. Les femmes sont capables, tu le commandes aussi, hein? Oui, c'est vrai, il y a le commandé. Ouais. Oui, il y a le Bébé Kouma aussi. Oui,
les femmes sont capables de ça. Les femmes sont capables. Ah oui, tu vois, il y a aussi le gari. Mais on peut continuer, vous savez. Vous savez qu'avec le manioc là, on peut fabriquer du gaz qui permet de chauffer nos marmites et de remplacer l'électricité. Vous savez ça? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le manioc. Les femmes doivent être des acteurs d'innovation technologique. Je dis souvent que quand vous allez à Korogo, même dans le pays Yakuba, vous trouvez des femmes qui sont en train de fabriquer les fils à tisser à partir du coton. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de la technologie. Ça peut être artisanal et puis ça peut devenir industriel. Vous voyez? Voilà. Les femmes sont capables de ça. Elles ont été capables d'inventer ça, de maîtriser cette technologie. Les femmes sont capables, elles doivent être capables d'être des agents de transformation de la nation. Et quand j'arrive à la transformation de la nation, je ne parle pas seulement de la transformation technique, scientifique, technologique, mais je parle également de la transformation des mentalités. La transformation du cœur, la transformation de l'esprit. Parce que ce sont les femmes qui transmettent les valeurs, n'est-ce pas, à la société, à commencer par leurs enfants, mais ensuite elles éduquent leurs maris, et puis ensuite elles éduquent les notables, et puis ensuite elles éduquent le roi lui-même. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, répondez fortement. Femmes, vous devez être des agents de transformation des hommes. C'est vous qui devez transformer les hommes. Les hommes écoutent plus quand ce sont les femmes qui leur parlent. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est vrai, hein? Elles doivent être des agents de transformation des femmes. Ça, c'est plus compliqué. Quand une femme, ça va parler à une autre femme, ça, ça devient compliqué. Mais on peut réussir. Les femmes doivent être des agents de transformation du savoir-faire de la communauté, du village. Elles doivent être des agents du savoir-être. Savoir-être, c'est-à-dire comment on doit vivre, comment on doit se comporter dans la société. Femmes, vous devez peser de tout votre poids dans les prises de décision. Mais décision, sur, pas seulement sur les grandes questions, mais vous devez intervenir dans la prise de décision sur les grandes questions, mais également sur les petites questions de la société qui engagent la vie de la nation. Les questions sur la vie de Benoît, sur la vie d'Adjaké, sur la vie d'Aguasso, sur la vie de Maféré. Et je m'arrête là pour continuer de citer, n'est-ce pas? Les femmes doivent, on doit les voir présentes aux côtés des hommes, non pas en concurrent des hommes, mais en complément des hommes. Cette année, vous venez de m'honorer. Je peux dire que cette année, j'ai été honoré. Mais pour les prochaines éditions, le prix Simone Gbagbo que vous venez de me remettre là, le prix Simone Gbagbo de la femme ivoirienne leader engagée en politique, ce prix-là, chaque année, sera attribué à une femme. Pour ce faire, pour réaliser cela, on va arrêter des critères de sélection. Hein? On va arrêter des critères de sélection pour savoir qui.
on va sélectionner qui va être méritant. Et puis, on va mettre en place un jury. On va mettre en place un jury qui va choisir. C'est pas les hommes, mais vous souriez beaucoup, ça me fait plaisir, mais c'est pas les hommes, on va choisir, c'est les femmes. Mon souhait le plus ardent, c'est que cette initiative-là puisse connaître une belle carrière et que ce prix aille en se bonifiant et que ce prix-là se transmette de génération en génération. Cette première édition de Simone Day a eu pour thème les valeurs de la démocratie dans la vie. La démocratie, c'est vrai, continue d'être un sujet préoccupant dans le monde et en particulier dans notre pays. Vous le savez tous, très tôt, je me suis engagé dans le combat pour une Côte d'Ivoire plus démocratique. Pour le constat que je fais de l'état actuel de la démocratie dans notre pays, je peux affirmer que ce combat-là est encore d'actualité. Il est toujours d'actualité. Il n'est pas encore terminé. Notez avec moi que dans notre pays, les périodes électorales continuent malheureusement d'être des moments de tension, des moments de trouble et même des moments de deuil. Que les conditions de transparence des élections ne sont toujours pas réunies. Que la séparation entre les trois pouvoirs dans un régime démocratique, que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cette séparation-là n'est toujours pas effective. Nous constatons ensemble que les médias d'État sont encore totalement caporalisés par le parti au pouvoir. Nous constatons encore que l'insécurité est toujours présente dans notre pays. Nous constatons encore que la justice et la droiture ne sont pas encore totalement au rendez-vous des populations. Nous pouvons constater encore que ce que j'appelle la gestion équitable, c'est-à-dire le fait de gérer de la bonne façon, de la même façon pour tout le monde. La gestion équitable et solidaire des besoins de la population. Elle est encore au stade du slogan de campagne. Mais dans les faits, concrètement, là, ce n'est pas encore bien implémenté. Par exemple, quand on parle de quête d'emploi, on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas équitablement gérées. Quand on parle des prix des produits proposés aux producteurs pour les cultures de rente, on voit que c'est encore dérisoire et que les populations productrices elles-mêmes ne sont pas intégrés au débat pour la fixation des prix. On voit encore que les routes, que les infrastructures routières qui permettraient aux populations productrices d'agriculture de, n'est-ce pas, ramasser leurs récoltes pour les proposer au lieu où ces récoltes-là sont demandées. Eh bien, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui demeurent encore pour l'évacuation donc des produits agricoles. C'est une question encore douloureuse. On constate également que la pauvreté plane de l'ampleur dans notre pays, malheureusement. Pendant que les prix des denrées de première nécessité continuent de flamber sur le marché. Or, toutes ces choses-là
sont des choses qui mettent à mal la cohésion sociale. Mais tout n'est pas perdu. Hein. Je ne dis pas ça parce que je suis pessimiste. Au contraire, je dis ça parce que moi, je me dis que quand il y a des problèmes, au lieu de les appeler problèmes, moi je les appelle défis à relever. Et donc, n'ayons pas peur et ayons foi à l'avenir. Je vais partager avec vous ma foi en l'avènement d'une société ivoirienne réconciliée, démocratique et prospère. Je voudrais vous inviter de continuer à croire à un futur radieux pour la Côte d'Ivoire. De continuer à nous donner à tous les moyens de l'avènement de cette Côte d'Ivoire réconciliée. Et c'est pour ça que, à quelques lignes de la fin de mon message, je voudrais encore appeler le président Alassane Ouattara, appeler le gouvernement de Côte d'Ivoire pour qu'il fasse le pas qui va permettre d'apporter l'apaisement total tout le cœur des Ivoiriens, en libérant les prisonniers. Les prisonniers sont encore nombreux dans nos prisons. Les prisonniers, je parle des prisonniers politiques, ils sont encore nombreux dans nos prisons. Mon souhait, c'est que ces hommes-là, qui sont maintenant depuis 10 ans, le général Dobo-Blé, entre autres, je le cite parce que pour moi, il représente tous les autres, qu'on puisse les retrouver en liberté. Comme moi, j'ai pu bénéficier d'une ordonnance d'amnistie qui m'a mise en liberté. Que pour eux également, soit pris une amnistie permettant de les mettre en liberté, non pas dans 10 ans, mais maintenant. Que ceux qui sont en exil, qui puissent également rentrer chez eux, en toute tranquillité, maintenant. Pour moi, la quête d'une société de justice, d'une société d'équité et de la cohésion sociale demeure de vive actualité. Pour moi, aujourd'hui, c'est une des premières actualités à traiter. Le combat n'est pas terminé, parce que la vie n'est pas terminée. La vie n'est pas terminée et la vie ne sera jamais terminée. Il y aura toujours des combats à mener. Aujourd'hui, le combat portera sur tel point, demain, il portera sur un autre point. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que la justice et l'équité lèvent les bras pour libérer les prisonniers qui sont encore dans les geôles de l'État. Nous sommes encore engagés. Je pense que je peux dire à votre place que vous et moi, nous sommes encore engagés. Pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour le bon développement de la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse Benoît. Que Dieu bénisse tout le sud comme vous, mais que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Après Nelson Mandela, l'Afrique. Après Nelson Mandela.
Nelson Mandela, l'Afrique reconnaissante, célèbre ses icônes. Simon Dewa, première édition. Vos ovations, Madame Simone Ndebogo. Et Mur Média, votre web TV, organise la première édition du Simon Dewa 2021. Ce 8 août 2021. Vos applaudissements à la place, oui. À Mangoua de Beaulois. Nous vous y attendons. Vous y êtes déjà, c'est bien. Et Mur Média, c'est la Côte d'Ivoire qui s'exprime. Madame, nous saluons la présidente. Nous vous attendons. La marée verte du VDC, Madame Bessette Volévia. Instagram. Madame Simone Ndebogo. Nous remercions le cabinet de la première dame Simone Ndebogo. Célébrité centrale. Candidate de Côte d'Ivoire. La femme résiliente. Du corps préfectoral. Femme engagée qui engage les autres femmes. Bureau Média s'attache à la paix. Merci à tous. Et à la réconciliation. Et à toutes. Nous croyons d'être venus à Simone Ndebogo. Nous nous retrouvons très bientôt. Et merci. Venons à ce soir pour faire la fête. La régie accompagnait notre maman Simone Dewa et Yves Babo avec le son Yahya en face. La propre politique de Fondant.